Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que j'ai une information sans problème. 10 moun ki tap boukante kout zam ak la polis mouri nan zone metropolitaine Port-au-Prince. 20 arrestasyon parmi yo 3 fam ki te gen nan men yo zam, la loi pa rekonèt. La polis sezi plizye zam, 3 machin ak 4 motosiklet. Se bilan operasyon la polis di li menen nan 1er jou nan mwen avril 2022 nan plizye zone nan peyi d'Haïti. Samedi 9 avril 2022, la polis commune Taba fè konen li arete Jean-Simon Philogène ak Gabi Bonor nan mouman yo tap dechepye machan nan machi taba. Eskeratman gaz lan retoune ankor, jan sa arrive plize fwa nan denye mwa sa yo. Debi vendredi 18 avril 2022, choufe machin ak motosiklet gen difikulte pou jwen gazoline nan plize pompe nan Port-au-Prince. Gen 2 bato rempli ak gaz ki dwe rive nan peyi d'Haïti dimanche 10 avril ak mardi 12 avril 2022 dapre responsab terminal varu nan site soleil nan Port-au-Prince. Samedi 9 avril 2022 gen 53 kamyon siten ki tal pran gaz nan terminal varu a popote nan pompyo. Se samedi 9 avril 2022 yo chante nan Bureau National Ethnologi Port-au-Prince anterman mambo Evony George Auguste, gran servitez Konfederasyon National Vodouizan Haïtien yo KNVA ki te mouri la kaili mekwedi matin 23 mars 2022 ak 65 lani sou tèt li an bayon maladi kanser nan kol matris li. Nan chapit insekurite, 10 moun nan ki tap boukante kout zam ak la polis mouri nan zon metropolitaine Port-au-Prince-lan. 20 arrestasyon parmi yo 3 fam ki te gen nan men yo zam la loi pa rekonèt. La polis sezi plizye zam, 3 machin ak 4 motosiklet. Se bilan operasyon la polis la di li menen finispan semen pase ya nan plizye zon nan peyi d'Haïti. Ni fè konen tou, la polis la arete George Alain Degan, ki se yon moun ki pa wè, men yo arete pou implikasyon li nan plizye zak kadejak sou ti moun ki gen ant 12 rive 14 l'anè. An koute pot vwa la polis la gari de ouze kapote pliz detay pou nou. Lundi 11 avril 2022, bilan partiel, operasyon e afer trete o nivou de la polis nasyonal pandan wikend nan. Genyen 7 zam ki sezi, don 2 fizi, 3 vehikul konfiske par la PNH, 4 motos confisquées, gagné 5 interpellations qui fait pour implication présumée dans sa kidnapping. En total, gagné 20 personnes qui ont arrêté pendant le week-end. Gagné un bandit qui a kidnappé qui a stoppé. Et lors d'une tentative de kidnapping à la nuit, à Delma 83, population lapidée et tuée, un présumé volé. Dans le département sud-est, 14 arrestations qui fait dont 3 femmes, nature. Détention illégale d'armes et la police tout saisit 3 motos, 2 véhicules, un fusil de calibre 12, un revolver de calibre 38, 18 téléphones et vendredi 8 avril 2022. Dans ces marques, la police a arrêté Pierre Dominique qui est en possession de un pistolet de calibre 9 mm. DCPJ a arrêté Georges Alain Degan qui sont non-voyants à village Théodate pour implication présumée dans l'agression sexuelle. Viol, excitation à débauche sous 6 mineurs entre 12 et 14 ans. N'a noté, arrestation sa fête et sous plainte de yon parent victime mineure. Et selon toute information que nous gagnons, Georges Alain Degan, ta pétitue li, c'est suite à yon viol qui était passé dans jeune âge li, et qu'il était fait. Et en revanche, et plusieurs moun en fureur qui pété et lâché yeux, monsieur. Pour le moment, monsieur est dans des CPJ. La première question des CPJ. Samedi 9 avril 2022, la police commune Taba fait qu'on ait arrêté Jean-Simon Philogène avec Gabi Bonor dans le moment où il a déchepillé machin dans le marché Taba. Responsable la police a fait qu'on ait arrivé saisi dans le main un revolver qui a un calibre 38 à 3 cartouches. Un coup de porte-voix la police là, Gary Deosé, qui a porté plus de détails pour nous. À Taba, commissariat Taba est arrêté. Philogène Jean, 37 ans, Bruno Gabi, 23 ans, non, marché Tabalan, il est en possession de revolver de calibre 38, côté que la police a arrêté M. Savon, marché Tabalan. Gagné à Canaran 3, Jacqueline Petit Frère, qui continue à créer les Black, Sanon Berlus, qui continue à créer le bureau,
deux monsieur Sao blessés mortellement, et selon toute information que nous gagnons. Et deux monsieur Sao, ils ont fait partie de une cellule de gang qui a opéré dans la zone ça. Encore une fois, nous avons sollicité collaboration tout l'autre acteur qui dans chaîne sécurité hein, et population hein, pour ensemble pour nous lever pied nous contre kidnapping et insécurité. La police déterminée, policiers motivés et 38 11 11 ans toujours opérationnel pour monde capable de joindre la police. C'était pas de voir la police là, Gary Déosi. Même Jean avec plusieurs organisations, ancien député Jean-Aubert Bossé pour tes solidarités par le directeur exécutif réseau national Cap Défendre Mounio Pierre Espérance qui sous menace à Pati Haïtien Tête Calée à PHTK Cap Fermanigans contre lui. En écouté ancien député Jean-Aubert Bossé qui t'a parlé dans l'émission Tichès Bas sur Alter Radio. Pour commencer, moi-même, je vais manifester ma solidarité par rapport à persécution à Pierre Espérance dans persécution politique il y a aujourd'hui à là que la connaît par rapport à un délinquant qui était doué derrière Baou qui gagnait des rapports de CPJ qui est devant la justice mais a perdu la drogue et où songer et c'est toujours la même logique que nous avons parlé tout à l'heure avant l'assassinat de Jovenel Moïse nous avons gagné des anciens opposants politiques qui t'a créonné hein qui t'a parlé sous toute antenne radio d'arrestation de monsieur Fetnel mon chéri avec Dupont et Chérisier qui participait après même l'ONU et des rapports d'organisation de droits de l'homme n'a assassiné centaines de Valérie Malhéreuse dans la Saline fait le crime qui fait à l'époque c'est parce qu'il a vu même côté avec cochon avec chien il pas d'avis un côté qui descend donc il été mérité pour le mourir parce qu'il pas de battre possibilité ou l'État n'a pas de possibilité pour te vivre de l'autre côté. Donc à ce moment-là, à l'époque, tu as demandé arrestation tous les trois délinquants. Okay? Mais je vous dis, est-ce que j'en m'entendais depuis 9 mois bon, un ancien opposant a demandé arrêter Fetel, arrêter Rigo Duplan, arrêter Chérisier. Non, c'est fini. Parce que je vous dis, ils ont une alliance avec PHTK. Et ils n'ont pas capable de parler d'arrestation de Mounsaïon. J'aime bien des gens qui parlent de procès, bâtonnier non d'arrestation de Martin Moïse ou tant d'ailleurs. Même gens, le matériel là, ils ont demandé de arrêter Sophia pour juger qui était fait stade là, qui de matériel. Vous racontez ça, on va parler encore. Donc c'est évident, c'est pas rien qui était motivé. Mobilisation ça y est que occuper espace pouvoir pour faire l'argent. Donc moi crois que Pierre gagne pour prendre plus de précautions parce que délinquants ça pas gagne rien que yo pas faire pour yo capable de protéger pouvoir politique là yo gagne en meilleur ça yo gagne en meilleur. C'était ancien député Jean-Aubert Bossé. Dans le chapitre énergie, est-ce qu'il y a un gaz retourné encore? J'en suis arrivé plusieurs fois dans le dernier mois, depuis vendredi 18 avril 2022. Chauffeur machine avec motocyclette, il y a une difficulté pour joindre la gasoline dans plusieurs pompes dans Port-au-Prince. Pendant dimanche 10 avril 2022, la situation n'a pas changé. Non seulement quelques graines de pompe gaz qui l'ouvrent, c'est Goling, machine avec motocyclette qui a bousculé l'une après l'autre dans l'idée pour tenter de joindre un petit goût de gaz. Il y a deux bateaux remplis à gaz qui doivent arriver dans le pays d'Haïti dimanche 10 avril et mardi 12 avril 2022 d'après responsable Terminal Varu dans la Cité Soleil dans Port-au-Prince. D'après une publication l'IFE, Terminal Varu a annoncé bateau MT Citrine a apporté 1 720 000 gallons gasoline et puis 1 975 000 gallons diesel alors que bateau MT Torm Solution a apporté lui-même 2 300 000 gallons gasoline. Samedi 9 avril 2022, il y a 53 camions citernes qui prennent gaz dans le terminal Varoua pour porter dans le pompio. Dans la publication, le terminal Varoua fait connait pendant la journée, le camion citerne a transporté 183 329 gallons diesel avec 14 600 gallons kérosène et puis
184 085 gallons gasoline pour y livrer dans pompe gaz yo. Quantité gaz à terminal Varoua dans cité Soleil pour aller recevoir yo pas suffit pour résoudre problème ratement gaz là qui recommencé depuis semaine passée dans diverses stations gaz. Autorité yo ta doit adapter yo à réalité marché international là. Marc-Antoine Derifons, qui est président Anapos, dit qu'il souhaitait gagner entente qui joigne entre l'État haïtien et le secteur pétrolier dans l'idée pour joindre une solution dans le problème. Ça, on écoute Marc-André Derifons pour plus de détails. Nous voyons qu'il y a des lignes, il y a donc une pression, une certaine pression dans la rue, et sous quoi faire gaz encore. Maintenant, l'autorité locale a affirmé que pas de pénurie. Ça m'a même à niveau pour me dire qu'il y a quelques compagnies pétrolières qui tombent totalement au dessus. Bien que il fait remarquer à travers le terminal pétrolier Varoua, il y a des bateaux qui sont en prévision et pour aujourd'hui et après-demain. Mais le plus gros des soucis, c'est que le volume que le bateau a accusé n'est pas important assez pour permettre de faire une différence sur ce marché-là. Et nous avons souhaité qu'il y ait des coordinations qui sont faites entre l'État avec l'UVA et le secteur pétrolier, bon, en parlant de APPA, pour assurer qu'il y ait de plus grandes quantités qui rentrent pour assurer la population. Nous-mêmes, au niveau propriétaire, Gazio, est-ce que phénomène ça arrivé sous nous? Est-ce que vraiment nous pas gagné gaz qui en stock dans la pompe? Bon, certainement. Lorsqu'on on compagnie qu'on affilié avec lui, il y a une rupture de stock et qu'on te lance la qualité de loger ou pas qu'on compte avec l'autre compagnie ou quasiment fermé. Ok, c'est ça, c'est réalité à cueillir. Et c'est ça nous remarquons, il y a plusieurs compagnies qui de fin semaine là, qui tombent totalement rupture. Mais problème ça, combien de temps le cas prend comme ça pour le résoudre? Bon, moi même pas à Pondjou, moi qu'à seulement aller en fonction de ça que Terminal Varoua rapporté à travers et page Instagram yo, et Twitter yo, je crois. Et il y a deux carrières qui ont privé, mais souci comme des jours de tantôt, c'est que volume pas assez important pour faire vraiment la différence sur le marché. Donc, nous sommes capables de dire que nous avons marché vers un nouveau ratement gaz? Bon, je vais aller à l'armée Mounio. Et je vais connaître la stratégie gouvernementale là, et qui s'habille. Je vais aller à l'armée Mounio, mais le volume ça, qui est déclaré qui est arrivé à 6 jours et venu, n'est pas assez important pour faire différence sur le marché. Donc, ça veut dire même si la quantité terminale va annoncer qu'il y a venu, tu as arrivé, je crois que c'est deux bateaux qui ont recevoir, deux cargaisons qui ont bien pu recevoir pendant le commencement de la semaine là. Donc, ça pas suffit pour ta diminuer l'affluence qui gagne dans le pompio. Bon, à ma connaissance, non, parce que pas oublier que consommation et pays, il est de 1 million de gallons moyenne par jour. Et souvenir un bateau de 5 millions, souvenir avec deux cargaisons qui équivaut à 5 millions de gallons et quasiment gain gaz pour 5 jours. Yon l'autre bord, les crises gaz l'ont changé sous marché international là. Ajustement nécessaire ou doit fait dans le pays d'Haïti. C'est disons association propriétaire et station gazio, yon plus qu'on est sous nom Anapos. Pourtant, Marc-André Défonce, qui s'est visé à Anapos, dit qu'il est conscient limite une décision comme ça dans le pays à côté population à vivre dans une situation difficile. En côté Marc-André Défonce, qui a porté plus de détails pour nous. Pour du pétrole, c'est importé, non importé. Et en référence et sous marché mondial, c'est-à-dire que le compris sous marché mondial. Mais le dernier ajustement de priorité fait, c'était en décembre, je crois que c'était le 10 décembre 2021. Et le sabar, il était autour de $75. Et bon, il y a une tension sur le plan mondial de la guerre en Ukraine avec la Russie. Ça vient de faire que le baril l'a propulsé rapidement vers avoisinant les $100 américains. Et le ça, et le dernier ajustement a été fait. Nous avons fait sortir et subvention de l'État pour permettre gaz à côté carbone avec l'huile d'abord sur le marché. Mais qu'on y a là, nous rentrons dans la subvention encore. Et je pense que c'est ces problèmes qui causent que par manque de moyens que les acteurs n'ont pas commandé la quantité qu'il faut. Donc est-ce que je vous explique nous là, nous avons redouté l'autre augmentation prix gaz là sur le marché local là? Bon, je ne vais pas prêt pour moi parler de stratégie gouvernementale là, ok? Parce que même c'est sur une stratégie et comment vous voyez dans l'avenir proche. Mais si la politique là, comme si nous pas capable d'adapter nos réalités marché, nous avons toujours des problèmes. Bien que nous connaissons quand même que la population n'est pas capable d'absorber et on l'a trop de prix. Bah, on est qui s'est capable pour permettre que nous soyons dans la situation. Ça. Ou même qui c'est au monde qui connaît le secteur là bien, qui sont pensés capables de solution pour nous finir avec la question de ratement gaz viré tout ça?
Bon, malheureusement, la sortie de l'instant, mais c'est d'adapter nous avec réalité marché. Ok, et à chaque fois, prix change, il faut nous ajuster. Et même aller vers le bas aussi, il faut nous ajuster. Mais politique, ça n'a pas toujours adapté dans des situations de pays, côté pays, et nous aussi vulnérables, comme en Haïti. Et ça, bah, on déficit. Et sur le plan budgétaire, et le ça, et l'État pas qu'à faire et implanter plein d'actions convenablement. Et comme s'il rassure que les prévisions faites pour qu'il y ait une quantité de carburant qui se pose sur le marché en tout temps. C'était président Anapostla, Marc-André Derifons. C'est samedi 9 avril 2022, à Yoshanté, dans le Bureau national ethnologie Port-au-Prince, enterrement Mambo Evoni Georges Auguste, grand serviteur Confédération nationale vaudouisant ici au KNVA, qui était mort la Kaili, mercredi matin 23 mars 2022, avec 65 l'année sous tête li, en bas de maladie de cancer dans la colmatrice li. En coûté ambiance, comment ça te dit? Pendant la cérémonie, ça, représentant religion pour la paix, Françoise Saint-Ville-Villiers, te salué courage, Mambo Evoni Georges Auguste, dans la bataille qui t'a mené pour te faire reconnaître droit femme dans la société. Il rappelait Mambo Evoni, t'es une femme qui t'a gagné conviction, qui t'a bataille pour te gagner une autre Haïti. Dans le chapitre insécurité sous route, en temps lundi 4 pour arriver dimanche 10 avril 2022, 19 personnes mourir avec 193 autres blessés dans accident machine avec motocyclette sous territoire national là, d'après service technique à coopération pour prévenir accident machine avec motocyclette dans le pays d'Haïti et stop accident. D'après Stop Accident, c'est une quantité 42 accidents qui fait 21 victimes pendant la période ça dans diverses zones dans le pays. Docteur Cassandra Jean-François, qui est porte-parole Stop Accident, m'a dit aux chauffeurs pour adopter comportement responsable sur route, une façon pour capable prévenir quantité accidents qu'a fait dans le pays. Dans le chapitre Migration, pendant 15 derniers mois qui sont passés, Direction générale Immigration République Dominicaine, Dili Pimpe, voyé dans le pays d'Haïti, plus passé 54 000 migrants haïtiens qui étaient sans papier. Direction générale Migration Dominicain fait qu'on est tout pendant période ça, sorti janvier pour al novembre année passée, gagné un total 31 764 haïtiens sans papier qui étaient jeunes arrestations dans le pays voisin avant de retourner dans le pays d'Haïti. Des temps, autorité dominicaine a rappelé pendant le premier trimestre année 2022, ils ont retourné dans le pays d'Haïti 23 569 migrants haïtiens. Toujours dans le même chapitre, migration. Après, une chita parlé vendredi 8 avril 2022 à quelques propriétaires qui pas d'accord. Gouvernement dominicain entend, mais lundi 11 avril 2022 à construction yomi sous frontière d'Abon ak Wanametlan. D'après l'autorité dominicaine, yo, pour Kounia, yo tamé à qui en première étape dans construction Misa qui a fait une longueur 54 km. Dimanche 10 avril 2022, à garde-côte américain au Pimpé, dans le pays d'Haïti, 142 natifs natal haïtiens parmi eux ont gagné 19 timons avec un petit bébé 4 mois. Migrants ont été sortis dans un port de paix dans le commencement du mois d'avril 2022. Dans le chapitre insécurité, finissement semaine passée, à deux mounes, la police qui dit qu'il a bandi mouri Canaan, dans un bouquin de Koudzam avec l'agent police nationale d'Haïti. Dans une publication li fait, la police l'a fait connaître deux mouns sa yo qui t'a bandi, c'est Jacqueline Petit Frère qui gen ti nom Black ak Sanon Berlus qui gen ti nom le plus haut. D'après information PNH la dili genye, moun sa yo t'a impliqué dans divers actes malhonnêtes, volé camion marchandises et puis association malfaiteur. Dans le chapitre politique, toute démarche gouvernement de facto a dit la feyo, c'est projet qui mourit dans passage, c'est position ancien député Jean-Robert Bossé. Ancien député Bossé critiqué premier ministre de facto a dit qui choisit fixer règles jouette là alors que il fait partie problème non en côté ancien député Jean-Robert Bossé pour plus de détails. Moi quoi c'est un projet morné, il pas bail aucun résultat en dépit de respect gagnant pour nous deux graines que m'ta dit au parler dans commission, mais c'est pas yo qui intéressé, c'est processus là, c'est démarche là, d'accord. Il faut qu'il y ait validé par les partis avec un accord, avec un accord clair qui écrit que tous les deux mounsayos engagés à respecter, à accepter le verdict résultat qui a sorti dans la médiation qui a fait là. C'est un principe élémentaire.
Justement, donc, non, en tant que minimal, pour que la commission de médiation travaille là, il faut qu'il y ait des éléments clairs qui établissent dans qui s'agit de discuter. Parce que là, où une commission de médiation qui va nous savoir discuter. Est-ce que nous allons discuter pour Ariel Rété dans le pays là pour faire 5 ans, 10 ans, et nous avons besoin de l'autre pour nous passer là, le tour est là, le principe là, ça. Et c'est comme ça que vous souhaitez, vous pensez. Ou bien, il va faire le Rété Premier ministre, président en même temps les deux, ou bien on va prendre monsieur Obral faire le président, mettons le premier ministre, c'est ça qui est en tête de tout, donc il faut nous connaître. C'était ancien député Jean-Aubert Bossé. Mission chargée d'affaires américain Kenneth Merton arrivé dans Boutli dans date lundi 11 avril 2021 après li passé 6 mois dans poste ça. Chargé d'affaires exprimé regret li gagné pour être li pas arrivé aider résoudre crise politique là qu'a brassé bil pays hein depuis quelque temps. Li fait connait Haïti raté un bon moment pour lité attirer investissement étranger à cause instabilité politique, problème insécurité en sans compter kidnapping nan d'après ambassadeur Kenneth Merton qui t'a rencontré la presse dans résidence li lundi 11 avril 2022. En écoutant ambassadeur Kenneth Merton qui a porté plus de détails pour nous. Le pays a souffert parce que pas gain une vision claire pour le pays pour avancer vers les élections et pour résoudre les problèmes politiques qui gagnent. Raté un bon moment pour attirer l'investissement. Mon factory a quitté le pays de la Chine pour venir ici dans la zone ça, au Caraïbe, en Amérique centrale. Haïti, bien placé à profiter pour ça. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas venu ici avec la situation politique qui vient dans le pays. Pas de gouvernement élu, pas de monde qui est toujours disputé, pas de climat d'insécurité. Et investisseurs n'ont pas venu dans la situation comme ça. C'était l'ambassadeur Kenneth Merton. Président pays mexicain Andrés Manuel López Obrador a prêté sous pouvoir après référendum qui fait dimanche dans le côté mexicain ou validé pour suite mandat, même si c'était une participation qui fait en pile. En tout, plus passé 90% électeurs souhaitaient président aller jusqu'à fin mandat si l'année là cap fini 2024, d'après premier estimation Institut National Électoral INE. INE a annoncé une participation en temps 17 à 18,2%, 93 millions électeurs. L'autre information, Alan Oyon, gros journaliste, mais tout professeur journalisme, 54 l'année, ou la police qui en charge sécurité nationale pour conspiration non objectif pour publication qui pousse moun révolté, arrêté lundi 11 avril, là, d'après sa source policière à médias locaux, le fait qu'on est. Interpellation ça c'est dernier coup yo pote contre la presse locale Hong Kong côté liberté a prend pile coup de pile Pékin prend territoire. Et puis pour pipiti 24 moun jeune nan mwen nan inondation met ou glissement terrain nan centre et puis sud Philippines après gros la pluie tempête tropicale la cause. C'est ça autorité ou annoncé lundi 11 avril. Plus passé 13 000 moun kouri aller nan abri urgence alors que tempête nan tap krasé kay, champ et puis coupé route à ligne électrique yo d'après précision agence nationale désastre naturel.